Le lendemain et toute la semaine, Marthe attendit. Son attente fut vaine. Pourquoi les angélus du soir sont-ils si clairs quand fuit l'espoir? Marthe attendit un mois encore, et s'éveilla plus faible à chaque aurore. Qu'annoncent donc tous les matins les gais angélus argentins? Marthe isolée, abattue et pâlie, espérant que, mais sans que ses folies, l'automne endort les horizons, adieu les fleurs et les chansons. Sur Marthe on jase, on chuchote, on s'exclame, est-ce d'amour que cet enfant perd l'âme? L'hiver vient, l'hiver part. Soudain, le lilas fleurit au jardin. Les jeunes gens de toute la vallée vont visiter la belle désolée. L'odeur des foins en fenaison embaume de loin la maison. Aucun galant, pas même le plus digne, du moindre accueil n'obtient le moindre signe. Dans les rameaux du grand pommier, vole et se pose un blanc ramier. Marthe se meurt. Une lueur étrange, sous son front mât s'allume en ses yeux d'ange. Le crépuscule se fait gris. Tourne, tourne, chauve-souris.